So welcome to the Table Noire. So Johan is responsible of this location. So thank you to Johan to welcome us here today. So we will have 30 minutes for quoi déjà? 30 minutes of talk show, and then showcase. And then after showcase with Abby. In fact, he can't speak English, but that's not I'm lazy, sorry. Upstairs. And après, and then, what else? Abby and Willy. Abby and Willy, and after we'll have a drink together. So welcome to the Table Noire, and enjoy. And... Alors, moi, je suis Grégoire. Bonjour à tous. Alors, j'ai été invité là par Fuzia parce que donc elle m'a parlé du débat de ce soir, qu'on avait parlé de l'hip-hop et notamment de la professionnalisation. Hello, my name is Grégoire. Fuzia invited me today because we wanted to talk about the hip-hop and the professionalisation. Of the job, right? Moi, je suis plus spécialisé dans la musique. I'm more specialized in music. Juste un petit truc, je pense que c'est plus en allemand qu'il faut traduire. T'es sûr? Oh, c'est sûr en allemand. Voir autour de cette thématique, parce que c'est un lieu qui est un lieu propice pour ces émergences-là. Also hier der Ort ist nicht zufällig gewählt, sondern schon ganz absichtlich, denn hier dieser Ort ist ein Ort, wo Personen auftreten, die einerseits eher in ihrer Freizeit Musik machen, aber auch Leute, also auch Vereine kommen hierher, um professionell Tanz zu üben und genau, deshalb sind wir hier, um genau über diese Thematik zu sprechen, die hier jeden Tag quasi stattfindet. Témoignage de Johan. Bon alors vous êtes ici dans un lieu qu'on appelle en France un lieu de musique actuelle, ce qui pourrait s'apparenter aux musiques en Angleterre appelées popular music, donc qui vont du rock jusqu'au hip-hop en passant par la chanson, musique world, etc. Also hier an diesem Ort wird viel aktuelle Musik gemacht, das was man eben in England oder auf Englisch Popular Music nennt, was eben vom Rock über Hip-Hop und so weiter geht. Donc dans ce lieu, on accueille à la fois des artistes professionnels, notamment dans le domaine hip-hop, où là, vous pouvez voir Razel, des Roots, par exemple, ou des groupes comme Onyx, le grand groupe, ou des groupes hip-hop français connus. Also hier treten sowohl professionelle Gruppen auf, also vorhin eben Hip-Hop-Gruppen, das seht ihr hier an den Postern, Razel hat er zitiert, das ist wohl ziemlich bekannt, sowie Onyx. So wie andere sehr bekannte französische Hip-Hop-Gruppen. Donc là, vous êtes actuellement dans la salle de spectacle et vous avez la scène. Donc c'est, comme je vous le disais, un lieu de diffusion de musique. Donc voilà, donc vous pouvez voir la configuration. Also hier seid ihr im Prinzip direkt im Aufführungssaal, also hier ist die Bühne. Ah ja, und das sieht man eben auch an der Deko und überhaupt an der ganzen Zusammenstellung des Raumes. Das ist eben hier, dass viel Musik gemacht wird. En plus des concerts professionnels viennent ici travailler des artistes en résidence, qu'on appelle des résidences d'artistes. Es kommen berufliche, also professionelle Gruppen hierher oder eben auch Gruppen, die hier ihre Workshops machen, also die eben für einen längeren Zeitraum einfach hier bleiben und die Lokalität mieten, um hier zu arbeiten. Donc parmi ces artistes qui travaillent en résidence, donc nous essayons de les encourager dans leur professionnalisation. Soit en leur apportant une aide technique, mais aussi une aide financière avec d'autres partenaires.
Also die Personen, die hierher kommen, um Workshops zu machen, bekommen hier auch Unterstützung. Einerseits finanzielle Unterstützung, andererseits eben auch alles, was so technische Unterstützung, also Unterstützung auf dem Weg zu einer Professionalität ist. Also technisch oder keine Ahnung, was da noch dazu gehört. C'est exactement le même cas, la même situation que dans la filière danse, où en France aussi les danseurs, notamment en hip-hop, viennent dans des lieux comme des lieux de théâtre pour travailler en résidence et bénéficient des aides du lieu ou des lieux. Das gleiche Prinzip gibt es auch für Tänzer, also auch Hip-Hop-Tänzer, die eben an bestimmte Orte kommen, also Orte, die eingerichtet wurden, wo die Tänzer ihre Workshops machen können und wo sie professionelle Unterstützung bekommen. Ainsi, nous pouvons accueillir à peu près une trentaine d'équipes artistiques dans l'année pour travailler dans cette situation. Jährlich werden hier ungefähr 30 solche Gruppen, die ihre Workshops hier machen, empfangen. Si on considère qu'il y a à peu près à Paris, autour de Paris, une trentaine de lieux qui sont même plus grands, on peut imaginer qu'il y a à peu près 900 équipes artistiques qui bénéficient d'aide à la résidence pour se professionnaliser. Nur damit ihr kurz eine Vorstellung habt, also in Paris und um Paris herum gibt es ungefähr 30 solche Orte, wo Workshops abgehalten werden können. Das heißt, pro Jahr macht es 900 Gruppen, die finanziell und professionell unterstützt werden. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il y a l'autre monde. Là, je vous ai parlé des professionnels, mais il y a ceux qui ne sont pas professionnels et qui essayent aussi de trouver des lieux pour travailler. Nous les accueillons également. Das ist erstmal nur, sagen wir mal, die Sonnenseite dieses Ortes oder des Lebens. Denn es gibt eben auch eher so Künstler, die in ihren Anfängen stehen, wo die eben auch hier aufgenommen werden. Also sie versuchen auch solche Künstler zu unterstützen. Alors pour le hip-hop, particulièrement le rap, dirons-nous, la musique plutôt, hip-hop rap, la configuration est un peu différente pour ce qu'on appelle des amateurs. Donc ils peuvent venir simplement, si vous voulez après visiter les studios, venir répéter dans le studio, jusqu'à venir ici sur scène pour travailler. Et là, on a un dispositif particulier pour les accompagner. Und die Amateure, die sind eben hierher kommen, können einerseits die Bühne nutzen, andererseits eben auch das Studio, das Aufnahmestudio. Ich weiß nicht, ob wir das mal noch anschauen, aber es gibt ja auch ein Aufnahmestudio, was eben auch genutzt werden kann. Donc ce qui est très important, donc là je parle du secteur du rap et du hip-hop, mais ce qui est valable pour les autres musiques, c'est qu'il y a un lien entre la répétition dans les studios, l'enregistrement et la scène. C'est-à-dire que la finalité, c'est d'être diffusé sur scène et d'être payé en faisant des prestations significatives. Also wenn wir jetzt hier von Musikern sprechen, dann meinen wir natürlich Rap und Hip-Hop. Ziel ist, wenn Musiker oder Anfänger, Amateure hier zuhören, dass es aber eine klare Linie gibt oder einen Weg, den sie folgen. Also das fängt mit einer Aufnahme im Tonstudio an und das Ziel ist eigentlich, dass sie letztendlich auf die Bühne gehen und dass sie Geld verdienen mit der Musik, die sie machen. Notre principale difficulté, c'est qu'on a des artistes qui sont vraiment excellents, je dirais, mais pouvoir en sortir ne serait-ce que deux, c'est-à-dire les aider à se produire dans d'autres lieux, c'est une énorme difficulté car ça requiert beaucoup de moyens financiers et beaucoup de temps pour engager les autres lieux à les programmer. Ein anderes Problem ist, dass unter den Amateuren, die hierher kommen, gibt es natürlich auch welche, die richtig gut sind. Das Problem ist nur, dass die nicht, also es ist schwierig, sie wirklich so zu unterstützen, also finanziell und mit anderen Hilfen, dass sie wirklich was schaffen. Also das ist einfach immer das finanzielle Problem, was gelöst werden muss, was gesehen, wo man sehen muss, wie das funktioniert. Pour faire un parallèle avec la filière danse en hip-hop,
Vous avez un excellent lieu qui est situé à Pantin, donc un lieu de danse. En musique, on accueille beaucoup de musiciens par les différents biais que je vous ai évoqués. Alors qu'en danse, comme en théâtre, on est bien souvent sur quelques compagnies, pas beaucoup, où là on met beaucoup de moyens pour qu'ils deviennent professionnels. In Pantin, also das ist auch so ein bisschen außerhalb von Paris, im Osten, gibt es noch so eine ähnliche Einrichtung wie hier, nur eben für die Tänzer. Und auch da versuchen sie, die weitreichend zu unterstützen, finanziell, technisch und mit allem drum und dran, dass sie eben auch mit ihrem Tanz Geld verdienen können. Donc ainsi, on pourrait dire que on touche énormément, mais on touche beaucoup de musiciens amateurs en hip-hop, en rap. Beaucoup viennent nous solliciter, mais finalement, il y en a peu qui arrivent à véritablement faire vivre leur projet professionnellement. Mit dieser Einrichtung schaffen sie es schon, viele Amateure auch anzusprechen. Also viele Amateure kommen hierher. Es ist nur sehr schwierig und nur sehr wenige schaffen es letztendlich eben auch, das in ihrem Beruf aus ihrem Hobby einen Beruf zu machen. Donc la véritable problématique en France pour la musique hip-hop rap, c'est surtout sa diffusion, c'est-à-dire que il s'agit de dépasser les préjugés du côté des programmateurs et de pouvoir accueillir un grand nombre de projets hip-hop qui bien souvent sont méconnus parce que c'est des projets qui sont qui viennent de la rue, qui sont faits à domicile. Et ce qu'on appelait, ce que disait Grégoire, émergent. Voilà. Donc pour avoir un peu de visibilité, c'est très compliqué. Un gros problème en Frankreich est eben, et ce qu'ils aussi versuchen, hier so ein bisschen zu bekämpfen, ist erstens, dass die Vorurteile gegenüber der Hip-Hop-Rap, also Hip-Hop-Tanzkultur, also es ist eben sehr schwierig, diese ganze Arbeit, um diese Vorurteile anzukämpfen und somit die Hip-Hop-Tanzkultur zu verbreiten, jemanden zu finden, also Räume zu finden, wo die auftreten können und wo eben diese Kultur etwas weiter verbreitet werden kann. Et en France, donc, ces préjugés, en plus, sont accentués au détriment des amateurs, parce qu'il y a vraiment un grand fossé entre la vitrine qui a été très reprise par le showbiz, donc la vitrine par le showbiz. Voilà, il y a eu les majors ont spéculé sur beaucoup le disque à l'époque du disque. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de spéculations sur les artistes hip-hop et il s'est créé un grand fossé avec, je dirais, des projets plus authentiques qui ont du mal à avoir une visibilité aujourd'hui. Also, es ist eben sehr schwierig, diese ganze Arbeit, um diese Vorurteile anzukämpfen und somit die Hip-Hop-Tanzkultur zu verbreiten, jemanden zu finden, also Räume zu finden, wo die auftreten können und wo eben diese Kultur etwas weiter verbreitet werden kann. Et en France, donc, ces préjugés, en plus, sont accentués au détriment des amateurs, parce qu'il y a vraiment un grand fossé entre la vitrine qui a été très reprise par le showbiz, donc la vitrine par le showbiz. Voilà, il y a eu les majors ont spéculé sur beaucoup le disque à l'époque du disque. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de spéculations sur les artistes hip-hop et il s'est créé un grand fossé avec, je dirais, des projets plus authentiques qui ont du mal à avoir une visibilité aujourd'hui. Also, es ist eben sehr schwierig, diese ganze Arbeit, um diese Vorurteile anzukämpfen und somit die Hip-Hop-Tanzkultur zu verbreiten, jemanden zu finden, also Räume zu finden, wo die auftreten können und wo eben diese Kultur etwas weiter verbreitet werden kann. Et en France, donc, ces préjugés, en plus, sont accentués au détriment des amateurs, parce qu'il y a vraiment un grand fossé entre la vitrine qui a été très reprise par le showbiz, donc
la vitrine par le chemin. Voilà, il y a eu une. Les majors ont spéculé sur beaucoup de disques à l'époque du disque. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de spéculations sur les artistes hip-hop. Et il s'est créé un grand fossé avec, je dirais, des projets plus authentiques qui ont du mal à avoir une visibilité aujourd'hui. Das große Problem ist eben so ein bisschen gegen das vorherrschende Bild anzukämpfen, das existiert. Und es gibt eben einen großen Unterschied zwischen den Mainstream, zwischen das, was eben immer im Showbusiness proklamiert wird, gezeigt wird, und eben den Künstlern, die so ein bisschen im Schatten arbeiten. Und dagegen muss eben angekämpft werden und das erschwert die Arbeit natürlich erheblich. Est-ce qu'il y a des questions sur, dans la salle à poser à Grégoire ou à moi-même ou à Michel? On y répondra avec... ou à Kaki Brown qui est là dans la salle, qui est notre MC, notre maître de cérémonie pour tous les événements hip-hop et qui se plaint parce qu'il est mal payé. Habt ihr Fragen an die Personen hier im Saal, also die Personen auf der Bühne, sowohl an ihn, der hier hinten steht, der schlecht bezahlt ist und der kümmert sich vorwiegend um die Hip-Hop-Auftritte, also er organisiert die, arrangiert die und er beschwert sich eben immer, dass er schlecht bezahlt ist. Aber falls ihr Fragen an ihn habt, falls ihr wissen wollt, was er verdient oder so, keine Ahnung. Est-ce qu'il y a des témoignages côté notamment des partenaires allemands, du groupe allemand, par rapport à la manière dont ça se passe en Allemagne ou à Düsseldorf, sur la diffusion, la possibilité de se professionnaliser sur la danse ou la musique dans le hip-hop? Möchte vielleicht jemand von den Deutschen eine kurze Zusammenfassung zu der Situation in Deutschland geben, also gerade bei euch in Düsseldorf? Wie das ist vom Amateur zum Profi, ob es da Schwierigkeiten gibt, oder ob die Situation ähnlich ist oder ganz anders. Naja, wollt ihr alle welche werden? Weil er sagt, ils sont pas des pros. Même en amateur, on va poser des questions. Même sur une pratique effectivement de amateur. Est-ce qu'il y a possibilité, quand on est amateur, de trouver un studio, de pouvoir faire travailler son morceau en MAO et de pouvoir faire une maquette, par exemple, même si on est amateur, facilement ou pas? Alors, selbst als Anfänger ist eben die Frage, gibt es Schwierigkeiten, einen Ort zu finden, wo ihr auch trainieren könnt, oder gibt es die Probleme, die wir vorhin alle erwähnt haben, oder ist das alles völlig problemlos? Also Orte gibt es einige, wo man was machen kann, aber es ist halt auch schwer, mehr daraus zu machen. Also ja, es wird schwer, was Großes daraus zu machen. Es bleibt irgendwie immer klein. Also donc il y a plein de lieux, d'endroits en Allemagne où on peut pratiquer le hip-hop, mais finalement il est difficile de se professionnaliser. Là aussi il y a un problème, donc ça reste plutôt au niveau amateur. Also in Düsseldorf allgemein finde ich, ist Tanz sehr gut unterstützt. Also man findet immer, sei es selbst, also es gibt das Tanzhaus NRW, was sehr gut Hip-Hop allgemein den Tanz unterstützt und sonst auch sehr viele Vereine und Jugendzentren, die dafür offen sind, dass man sich den Raum mieten kann. Aber man muss schon, ja. Donc à Düsseldorf, la ville d'où ils viennent. En général, il n'y a pas de problème de trouver des salles. Donc, il y a par exemple des associations qui soutiennent. Il y a des centres des jeunes de loisirs qui soutiennent ce genre de projet, enfin, du hip-hop. Il y a aussi le Tanzhaus NRW, enfin, le Tanzhaus de la région qui propose du hip-hop. Kababil unterstützt auch immer sehr schön. C'est ja unser Tanz. Verein, sage ich jetzt mal. L'association Kababil, qui est présent ici, qui soutient bien sûr. Ja, und sonst, es ist, ich finde, also, okay, NRW, also Düsseldorf, ist mehr die Freestyle-Gegend, wo du also eigentlich nicht jetzt das große Geld unbedingt bei den Battles oder sonst was rausholst, aber
Also wenn man es richtig professionell machen möchte, muss man sich echt in den Arsch beißen und richtig Gas geben. Mais la ville de Düsseldorf, c'est plutôt une région où on pratique du freestyle, enfin tous les trucs comme ça. Il y a plein de batailles, enfin des battles, voilà, des battles. Mais pour se professionnaliser, il faut vraiment travailler dur. Donc c'est vraiment dur de se différencier des autres pour avoir du succès. Ce que si, peut-être qu'il y a d'autres questions, sinon je vous propose qu'on passe la parole à Grégoire pour qu'il nous donne aussi son témoignage de sa pratique, de la manière dont il travaille aussi pour amener des jeunes à se professionnaliser. Moi, je vais revenir deux minutes sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la différence entre la vitrine, comme tu disais, entre ce qui est produit par les majors et le terrain, l'underground, quoi. Also er möchte nur noch mal ganz kurz zu der Thematik zurückkommen, was er vorhin gesagt hat, eben genau zurück dem großen Unterschied zwischen Mainstream und diejenigen, die im Underground arbeiten. La différence qu'on a, qui est facilement comparable, c'est avec les États-Unis, là d'où vient le hip-hop. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de l'implantation du hip-hop au niveau des majors. Par exemple, avec le label Def Jam. Def Jam, c'est un label en fait qui a permis vraiment au hip-hop de rentrer dans les hautes sphères des majors. Also, der Unterschied, der besteht, ist so ein bisschen vergleichbar mit der Situation in den USA und das Eindringen des Hip-Hops dort in die Jugendkultur. En fait, ça c'est un exemple parce que je vais expliquer l'histoire un petit peu. En fait, erklärt die Geschichte, ne? Das erklärt auch. Voilà, c'était le grand frère de DJ Run DMC, Russell Simmons, qui était manager du groupe Run DMC, et donc il commençait à produire un petit peu des trucs vraiment de la rue. Also die Geschichte von der Eintritt des Hip-Hops in die Jugendkultur begann eben so ein bisschen mit Def Jam. Also Def Jam, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ich kenne ihn ja nicht, für mich ist das alles neu, ist der große Bruder von DJ Run, DMC, der eben versuchte, aus der Straßenmusik einfach mehr zu machen. Also aus dem, was auf der Straße praktiziert wurde, mehr zu machen. Donc il a fondé son label Def Jam. Et le premier groupe qu'il a... qu'il a signé, qu'il a produit et qu'il a développé, c'était Beastie Boys. Und er hat dann eben dieses Label gegründet, das Label Def Jam, und die erste Gruppe, die er produziert hat, ist Beastie Boys. C'est le premier groupe de rap qui a fait disque d'or aux États-Unis. Donc, petit label indépendant qui arrive à être disque d'or. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une signature de, je crois à l'époque, c'était 2 millions de dollars par Columbia, pour une distribution exclusive du label. Also Beastie Boys, quasi die erste Rap-Gruppe. Und es ist schon bemerkenswert, denn es war eben ein unabhängiges Label. Und es mit diesem Label und der Gruppe Beastie Boys, die mehrere goldene Schallplatten gewonnen hat, le label Def Jam, ils ont enchaîné les productions qui n'étaient pas Beastie. Donc Beastie Boys, c'était une vitrine, c'était un bon moyen pour arriver à toucher le grand public. Et à partir de là, ils ont produit quoi? Public Enemy, tous les groupes vraiment qui sont arrivés, Ruby and Rakim, tout l'underground qui a construit la culture hip-hop. Gut, in der Folge, also das Label, das unabhängige Label, hatte Beastie Boys quasi als ihr Aushängeschild. Und so konnten sie dann weiter, also die eben das Geld so ein bisschen eingebracht haben, und dann konnten sie weiter eben mit eher Gruppen aus dem Underground arbeiten, wie Public Enemy. Rigby und Rakim. Genau diese. Also, es gab ganz viele. Ohne die jetzt alle aufzählen zu wollen. PNG,
Paris, des grands noms, quoi. Et la différence avec l'industrie en France, c'est que un cas de figure comme ça, c'est déjà arrivé. Un petit label qui arrive à sortir un groupe un peu de l'inconnu. Et la différence, c'est que les majors en France, au lieu de laisser carte blanche à ce petit label en disant « Vous débrouillez bien, on vous finance pour prendre la distribution et pour profiter un peu de du succès », les majors en France, elles rachètent le label. Et à partir de là, les mecs de la rue qui ont construit le truc, ils sont plus décideurs. Et à partir de là, ça pose tout. PMG, Universal. Universal. Non. Non. C'est EMI. Non, et puis ça n'existe plus, c'est Sony maintenant. Quatrième. Non. Island, c'est Universal aussi. En fait, ils ont tout racheté. Ils sont quatre, en tout cas, ouais, c'est sûr. Il y a 20 ans, ils étaient une dizaine. Aujourd'hui, ils sont plus que quatre. Et... Habt ihr das verstanden? Ja. Ja. Ok. Et donc pour conclure, enfin pour conclure, ce sera jamais fini. Et for example, this year for my job, I made a project to make a big a mixtape with all the group from the place where I work in dans le 13e arrondissement, in the 13th area district of Paris. I had 100 MCs who came from me to participate at the mixtape. It was amazing, and 99% of them are looking for place to play and to have some plans to make records. So it's really really difficult for them to pass to another step. So one part of my job is to help them to not be depressed about that, and to work on each part, not only the music, but the management, the image, the video clips, the all of that. Because today, the one of the thing which is a good point is that the record sales are falling. But the other bad part of the thing is they still don't have place to play the show. This one is also hier ist eben einer der seltenen Orte, wo noch Rap gemacht wird. Un petit mot de Johan, ensuite on passe la parole à Willy et on va après, on s'arrêtera pour laisser la place à Abby. J'ai très envie d'entendre Abby nous faire un showcase et ensuite on prendra un verre de l'amitié que nous offre Johan. Jetzt noch ein ganz kurz, also ein paar Sätze von Johann, dann ist Willi dran und dann darf endlich Abi und wir können es alle kaum erwarten, dich endlich zu hören. Und dann gibt es noch ein kleines Gläschen zu trinken auf die Freundschaft. Je vais juste rajouter quelque chose. Je vais dire quatre mots en allemand. Es gibt ein großes Schwierigkeit. Alors je le fais en français après. Rapprocher à ce que disait Grégoire, l'ensemble de la production du disque. Donc on voit. Le CD, vous écoutez encore du CD? Le CD, non. MP3. Qui écoute du CD? CD. Ah. CD. Du disque.
Also die große Schwierigkeit, die eben heutzutage auch noch besteht, ist allgemein die CD-Produktion. Denn wer von euch hört überhaupt noch CDs? War die Frage. Othello. Othello. Ah, CD. Il y a trois CD. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, la plupart, c'est les MP3. Cassette 45 tours. Donc, simplement pour prolonger ce que disait Grégoire, c'est qu'il est assez facile de produire un CD. Alors, je ne parle pas de la qualité artistique, mais il est facile de sortir un CD. Par contre, pour le distribuer, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, voire on va dire une quinzaine d'années, il y avait 3000 disquaires en France. Maintenant, ils n'ont plus que 300. Eben hier nur nochmal, um darauf hinzuweisen. Also es ist im Prinzip, es ist total einfach, eine CD herzustellen. Wir sprechen jetzt mal nicht von der musikalischen Qualität der CD, sondern einfach nur der allgemeine Herstellungsprozess. Also der ist ganz einfach. Das große Problem ist eben einfach, diese CD auf den Markt zu bringen. Was eben gerade in der heutigen Zeit viel, viel noch schwerer geworden ist. Denn vor 10 Jahren, 15 Jahren ungefähr, wurden noch über tausende CDs, genau, also vor ungefähr 10 Jahren eben noch 3000 CDs auf den Markt gebracht. Heute sind es nur noch 300. Et que maintenant, on a pour l'artiste, pour se distribuer, il a Internet. Donc ce qui est un peu, alors on ne traduira pas miroir aux alouettes, mais il est rentré dans l'engrenage d'une distribution mondialisée, puisque MySpace est sur la toile mondiale, Facebook est sur la toile mondiale, et donc ça ajoute à la confusion, et on est encore là sur des difficultés de visibilité. Si on n'a pas les moyens d'avoir une grosse promotion, qui, comme disait Grégoire, est assuré finalement par les majors. Und heute hat man eben vorwiegend Internet, um sein Produkt irgendwie zu veröffentlichen. Also es ist quasi für die ganze Welt zugänglich geworden. Es gibt eben Facebook, MySpace und all die ganzen Sachen, wo man heute eben im Internet Werbung für sein Produkt macht, für seine Musik, für sein Lied. Ja, also Fakt ist, das verkompliziert eben alles. Es wird, die Welt wird immer, also es wird einfach so ein bisschen konfuser, da durchzublicken, wer, wie, wo, was. Also im Prinzip bleibt das immer noch die Schwierigkeit der Verbreitung der Musik. Et donc là, ça sera un peu la phrase de la fin, mais heureusement, il y a des projets qui sont hors majeur, on va dire des projets indépendants, qui arrive à vivre et à se développer grâce notamment au spectacle vivant, donc au lieu comme celui-ci ou un peu plus grand où là des publics viennent découvrir ces artistes et en lien avec MySpace, Deezer, Facebook, voilà, ça conjoint, il peut arriver à avoir et même des formations avec des collectifs, donc formation collective d'artistes comme tu as fait l'expérience, peut avoir des projets repérés et finalement des ventes aussi, à la fois des ventes de morceaux, puisque des ventes de disques, on va dire, de morceaux, et des productions sur scène repérées, visibles. Der große Vorteil ist, dass es eben immer noch eine Vielzahl von Projekten gibt, also wie zum Beispiel diese Einrichtung hier, wo das Publikum eben einfach Künstler entdecken können. In dem Fall hat Facebook und MySpace eben auch einen positiven Effekt, weil sie die Künstler erstmal bekannt machen, sodass dann eben die Leute auch hierher kommen, wenn die Künstler hier auftreten würden. Ja, das war so. Et là on passe aussi à l'expérience de Willy. Donc il va vous présenter un peu ce qu'il fait au Burkina Faso. Jetzt eben eine kurze Berichterstattung von Willy, was wie es im Burkina Faso ist. Merci de me donner la parole. En fait, on peut dire brièvement que le hip-hop burkinabé commence dans les années 90
avec des rappeurs qui n'avaient vraiment pas une tribune pour s'exprimer. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'émission. Par exemple, sur les radios, il y a des émissions hip-hop. Il n'y avait personne qui voulait faire des spectacles hip-hop. Et les musiciens qui étaient déjà là, qui faisaient déjà leur musique, ne voulaient pas accepter les rappeurs dans leur milieu. Alors, pour les voir, il fallait aller. Ok. Also, der Hip-Hop in Burkina Faso begann so ungefähr in den 90er Jahren. Mit dem Unterschied, dass es eben in Burkina kein Radio gibt, überhaupt keine Medien, wo der Rap eben verbreitet werden kann. Es gab keine Unterstützung von anderen Künstlern und der Rap blieb, also der Rap, blieb einfach so ein bisschen an der Seite, wurde vernachlässigt. Et donc, pour les voir, il fallait aller dans les quartiers. Chez nous, au Burkina, il y a les lieux qu'on appelle des QG, je sais qu'il y a ça ici aussi, où les jeunes aiment beaucoup se retrouver. C'est là qu'ils se retrouvent quand ils n'ont pas grand chose à faire, et ils discutent. Et c'est là qu'ils faisaient leurs répétitions, et tous ceux qui venaient au QG pour discuter constituaient en fait le public et à ces rappeurs-là. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait du rap, souvent avec instrumental, souvent sans instrumental, jusqu'à disons en 95 où il y a une radio qui a bien voulu accepter ouvrir une page hip hop, mais ça faisait seulement 10 minutes. Hein? Und deshalb mussten die Musiker, also die Rapper, eben in bestimmte Viertel gehen, die man sowohl in Burkina als auch in Frankreich Küche nennt. Also es sind eher so wie so eine Art Vororte. Das sind Orte, wo sich die Jugendlichen, also wo sich die Leute getroffen haben, um zu diskutieren, sich auszutauschen. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass der Rap in Burkina Faso in seinen Anfängen eher instrumental ist, weil sie ja eben draußen waren und keine Instrumente zur Verfügung hatten. Das änderte sich dann erst ungefähr 1995 mit dem Aufkommen des Radios in Burkina. Und das Radio unterstützte dann eben auch die Rapper, also spielte eben auch Rapmusik. Ich habe eine Frage. Du hast gerade gesagt, der Rap sei instrumental gewesen, obwohl, weil sie keine Instrumente hat. Du meinst Vokal oder was? Tu as dit pour le rap que peut-être moi j'ai mal traduit, moi je sais pas, que c'était instrumental. Parce que en fait, ici dans la rue, donc il n'y avait pas d'instrument pour. Donc... Oui, c'est comme je dis. Avec ou sans instrumental, parce qu'on a des petites radios et cassettes où à l'époque il fallait prendre un instrumental d'un groupe qui a déjà produit, et là où il n'y a pas la voix, c'est seulement l'instrumental, et vous chantez sur l'instrumental votre propre texte. Voilà. Voilà, donc c'était ça. Il y en a qui pouvaient avoir les beats, comme on dit, et il y en a qui ne pouvaient pas du tout les avoir parce que ça coûtait cher. Pour ceux qui les avaient, ils le vendaient très cher, et voilà. Et donc c'est comme ça, et cette radio a fait du bien parce que 3 ans après, on a pu réaliser quelques spectacles hip-hop au Burkina Faso qui ont très bien fonctionné. Gut, also ich wiederhole das nur noch mal ganz kurz. Es gab eben welche, die eben auf bestimmte Beats gerappt haben, die eben den Vorteil hatten, dass sie diese Beats hatten, aber es gab eben auch welche, die diese Beats eben nicht hatten, die wurden auch ziemlich teuer verkauft. Somit war das Aufkommen des Radios dann viel später eine sehr große Errungenschaft, einfach um das zu verbreiten. Et c'est là qu'on assiste aussi à l'arrivée de la deuxième vague de rappeurs burkinabé. Parce que ceux qui, par la radio, ont découvert le rap, ont essayé de faire aussi. Et les premiers, et à un moment, on ne les voyait plus. C'était ceux qui avaient découvert le rap à travers eux qui avaient commencé maintenant à se faire voir, donc à faire des spectacles. Et comme le public aimait de plus en plus, le showbiz s'est intéressé. Donc des producteurs, des managers se sont intéressés. Et il y a eu des albums qui se sont produits, disons, dans les années 2000. Also das ist dann ungefähr so quasi die zweite Welle des Raps in Burkina mit dem Aufkommen des Radios. Die so Teil der ersten Welle waren, also die eben so auf den Straßen gerappt haben, die sind dann mehr und mehr verschwunden. Es gab dann eben dieser zweite Teil, die Nachfolge quasi, die den Rap für sich entdeckt haben und eben auch so ein bisschen das Showgeschäft angezogen haben. Also erst dadurch wurde eben auch das Showgeschäft auf den Rap aufmerksam.
donc jusqu'en 2005 ça allait bien, il y a des albums qui sortaient pas beaucoup, peut-être un ou deux albums par an, mais ça faisait quand même fureur, les gens aimaient. Et c'est en 2005-2006 que le coupé décalé est arrivé et a tout rasé en Afrique, au Burkina Faso, et a amené tous les jeunes vers lui. Les producteurs ne produisent plus de hip-hop, ils préfèrent aller vers le coupé décalé qui marche parce qu'eux, ils veulent vendre, ils ne pensent qu'à ça. Le coupé décalé, c'est un genre musical. Elle est venue de la Côte d'Ivoire. Also man kann ungefähr sagen, in Burkina Faso bis 2005 lief das mit dem Rap ganz gut. Es wurden ungefähr 1 bis 2 Alben pro Jahr produziert. Und 2006 kam dann aber so ein bisschen die große Wende. Es kam der Stil aus der Elfenbeinküste, der sich Coupé Décalé nennt, der dann eben so diesen Rap so ein bisschen unterdrückt hat oder zur Seite gedrängt hat. Et donc, voilà, ce phénomène a ramené un peu le rap dans son état du passé, là où personne ne veut produire, et c'est revenu. Et nous sommes, moi, je dirais que c'est la troisième génération, voilà, qui est beaucoup plus fort, qui écrit mieux, qui rappe mieux, mais il n'y a pas de producteur parce que le hip-hop, c'est comme si son temps était fini au Burkina Faso. Et donc, les albums qui sortent encore sont ceux qui sont de rappeurs qui peuvent venir par exemple en Europe souvent, et donc ils profitent enregistrer, et quand ils arrivent au pays, ils sortent les albums. Aujourd'hui même, les studios de... Und durch das Aufkommen dieser neuen Welle des Coupé Décalé, diesen neuen Stiles, wollte natürlich keiner mehr Rap hören. Der Rap ist komplett so ein bisschen ins Abseits geraten. Es wollte ihn natürlich auch keiner mehr produzieren, logischerweise. Heute kann man so ein bisschen beobachten, gibt es so die dritte Generation des Raps in Burkina Faso. Willi meint, die sind viel besser, die können viel mehr. Aber auch da ist einfach das Problem, dass man niemanden findet, der das produzieren möchte oder der bereit ist, es zu produzieren. Was sie dann oft machen, dass sie eben nach Europa gehen, ihre Sachen dort aufnehmen, ihre Stücke, und sie dann versuchen, in Burkina zu verbreiten. Oui. Oui. Donc pourquoi est-ce que le rap ne reprendrait pas à un moment donné, là ça nous fait de mode, hein, ce coupé décalé, est-ce que vous n'auriez pas la possibilité justement de réinvestir la parole? Vous êtes fort, tout ça quand même. En plus, Oui, oui. Also soweit die Dame weiß, ist Afrika ja eher so eine, also herrscht in Afrika ja eher so eine mündliche Kultur, und deshalb versteht sie nicht, warum der Rap einfach nicht wieder aufgekommen ist, weil dieses Coupé Décalé ist eben so eine Modeerscheinung, und warum hat der Rap es nicht geschafft, wieder vorwärts zu kommen? Et donc c'est pour dire que nous sommes toujours dedans, on rappe toujours, et il y a aussi le slam qui est là, on continue, voilà, et oui, oui. Nous avons eu une vague, entre guillemets, de mode, si j'ose dire, sur le slam, et qui là commence un petit peu à s'essouffler. Oui. Et pourtant, attendez là, quelque chose à expliquer. Also die Antwort lautet, dass im Prinzip natürlich in Burkina weiterhin noch gerappt wird und jetzt auch so der Slum so ein bisschen aufkommt. Und sie hat das auch nochmal bestätigt, diese Welle, Strömung, diese Richtung. Donc j'allais dire que c'est les businessmen, le showbiz qui s'est retiré, mais le rappeur reste rappeur, il continue de rapper même s'il n'a plus le moyen pour aller. Et pour, voilà, le slammeur slam, et il y a les scènes qui sont là, on peut toujours communiquer avec le public. Donc ça continue. Pour rebondir ce que disait tout à l'heure Johan, oui. Ce sont des emplois comme celui-ci, est-ce qu'on peut faire, parce que sinon c'est difficile de traduire des discussions comme ça. Je disais, ce sont les endroits vivants. Non mais attendez, d'abord lui, parce que sinon je perds le fil.
Willi sagt mir nochmal, dass es eher so diese Businessmänner sind, also die Geschäftsleute, die sich aus dem Rap zurückgezogen haben, die ihn eben nicht mehr produzieren wollten. Natürlich, Künstler, also auf Amateurniveau, gibt es weiterhin und auch der Slam. Et donc voilà, on continue. Mais seulement si le producteur, l'homme du showbiz se retire, du coup on n'a plus accès aussi à la télé, la publicité n'est plus ça. Et donc le public ne sent plus comme ça la présence du hip-hop. Il croit que c'est une ancienne histoire, alors que les rappeurs sont encore là et ils travaillent. Donc il y a des structures qui naissent. Moi je fais partie d'une structure qui s'appelle le Club des Amis de l'Art et qui travaille vraiment beaucoup là-dessus. On essaie d'offrir des scènes d'expression, de permettre aux jeunes qui écrivent, les nouveaux, à s'exprimer. Merci. Merci à tous. Im Prinzip alles, was ich zu der Situation momentan, also jetzt mal ganz kurz sagen wollte. Er könnte natürlich auch noch stundenlang reden, tagelang, aber der Rahmen ist jetzt einfach nicht gegeben. On avait promis de ne pas être trop long. Je vous propose qu'on passe... qu'on reste avec Willy qui va nous introduire sur le showcase, qui va peut-être nous montrer le coupé décalé. Et après Abby, et on peut commencer à boire un coup en profitant en même temps. Et Joséphine Willy, est venue avec sa guitare aussi. Et Joséphine aussi. Michel, et après un petit Willy. Ok, merci.